Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Belizère. Il y a un plaisir, il y a l'autre fois encore pour ensemble pour nous allouer actualité à quelques grands points qui ont dominé actualité ça. Actualité dans la région Moyen-Orient, en pile attention fixée sous Doha, dans Qatar, avec négociation pour une trêve dans Israël-Hamas dans Gaza, pendant que leader autorité palestinienne Mahmoud Abbas a visité Gaza. Guerre la Russie-Ukraine a continué avec un mouvement évacuation civile russe. Dans le moment, l'armée ukrainienne continue à passer dans la région Kursk. En Haïti, plusieurs secteurs dans le pays continuent à réclamer publication accord 3 avril 2024 là, dans le journal officiel pays Le Moniteur. Et puis jeudi 15 août 2024, là, c'est 38e édition Livre en folie dans le Caribe Convention Center. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous pas le développer pour jodi a dans rendez-vous info et puis jodi a c'est un jour férié dans pays d'Haïti côté y a fait célébrer fête Notre-Dame pour catholique et puis gain livre en folie qui rive dans 38e édition. Dans actualité internationale la guerre Israël ou bien guerre la Russie Ukraine plutôt continue avec mouvement évacuation civile russe dans moment l'armée ukrainienne continue à qu'on percer surtout dans région Kurs. Sandra Lemaire gain détail. Jeudi 15 août 2024 là, d'après yon texte AFP, John Kirby, porte-parole Maison Blanche là, parlé de yon commencement prometté nan discussion yo qui commencé nan Doha pour yon cessez-le-feu entre Israël ak Hamas nan bande Gaza et puis joine libération otage qui nan territoire palestinien. Pendant ce temps, leader Houthi dans Yémen dit réponse à Israël pour assassinat annié dans Iran inévitable. Et puis jeudi 15 d'août là, porte-parole là mais Israël là déclaré y a continué avec bataille là dans bande Gaza. Force défense Israël là continuer goumen nan bande Gaza, continuer à avancer nan Rafah, Khan Younis, nan centre bande Gaza et puis attaquer tout partout. Jusqu'à présent, nous éliminer plus passé 17 000 terroristes. Bon côté parle, président palestinien Mahmoud Abbas dit parlement pays qui a jeudi 15 d'août là que lui-même ak tout leadership palestinien décidé visiter Gaza ak Jérusalem pour protester contre la guerre Israël là dans enclave là. Li pral travay ak toute énergie pour suspendre agression sans ça et puis li déclaré même si ça coûte la vie nous parce que la vie nous pas pi important passer pipi titi moun nan bande Gaza et puis c'est youn nan depi bon bagay victoire ou bien lan mort victoire ou bien lan mort. Pendant ce temps leader Houthi Yémen promet yon vengeance inévitable pour attaquer Israël malgré efforts États-Unis ak l'autre partenaire médiateur yo ap fè pour joignon akò cessez-le-fè dans la guerre Gaza. Leader Houthi a déclaré والاستهداف للحديدة décision pour répondre ak krim l'ennemi israélien yo fè lè yo touye Houma al-Aqsa l'anmò nan Palestine l'anmò leader Ismaïl Haniyeh ak l'anmò gros leader djihadiste Fouad Choukri réponse lan ap vini et puis décision an décisif et puis pa janm renversé fami otage israélien yo ak l'autre manifestant manifesté de yo quartier général parti Likoud Netanyahu nan Tel Aviv jeudi 15 d'août là pour mandé yon accord immédiat nan mitan chita tande pou sese le fe ant Israël ak Gaza kap fèt nan Qatar jodi a. Yon manifestant di nou vle di ekip negosiate a si yon accord pa siyen jodi a oswa nan jou kap vini yo nan chita tande sa yo pa bezwen retounen Israël. Negosiasyon Doha yo basé sou yon plan président Joe Biden te annonce nan dat 31 mai passé ya ki te bay nan premier phase la yon trêve 6 semen ki genyen tout retrait Israël nan zone ki gen an pil moun nan Gaza et puis libération otage yo te pran Gaza pendant attaque 7 octobre la en échange ak prisonniers palestiniens yo. Hamas, ki te pren pouvoir nan Gaza nan l'année 2007, di
li refize participer nan yon nouveau discussion et puis mande application plan que président Joe Biden te déjà annoncé. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et d'après dernier chiffre que Hamas a fait sortir, il y a 40 000 personnes qui ont déjà perdu la vie dans la guerre Israël contre Hamas. Et puis nous pour aller tant qu'on a annoncé, nous pour parler de guerre la Russie Ukraine qui prend une autre dimension parce que Ukraine continue avec un mouvement et yon percé que l'a fait surtout dans zone dans région Kursk pendant que la Russie lui-même et ben l'a fait un mouvement évacuation civile russe. Sandra Lemaire. Alexandre Saint-Saëns. Commandant Piro Placé Ukraine déclaré jeudi 15 août là que Kiev établit un bureau commandement militaire dans partie région Kursk la Russie que li occupé a. Commandant dit force li continuer avancer et yo prend jusqu'à 1,5 km dans 24 heures qui saute passé yo. Colonel général Oleksandr Syrsky dit président Volodymyr Zelensky dans une vidéo que leader ukrainien a publié que force qui a vu avancer 35 km dans région Kursk là depuis opération a commencé semaine passée à avance Kiev pour entrer sous territoire russe t'es surprendre Moscou semaine passée à et puis changer momentum la guerre côté troupes russes ramasser plus territoire dans est Ukraine piti. Colonel l'a dit, troupes ukrainiennes ont pris contrôle 82 colonies sur une distance 1150 km². Lydie l'a nommé major général Edward Moskaliov comme dirigeant bureau commandement dans partie ouest, la Russie Kiev contrôlée. Pendant ce temps, ministre défense russe là, Andrei Belousov, déclaré jeudi, commandant yo préparer une série d'actions pour augmenter la sécurité à nos régions qui sont frontières avec l'Ukraine. Monsieur déclaré, n'a discuté sur augmenter l'efficacité du système commandement à contrôle troupio. N'a parlé à l'autre agence judiciaire et administration région Belogorod pour identifier autorités responsables et puis bayo plus troupes avec moyens qui pral aider yo atteindre objectif principal yo. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Président ukrainien Volodymyr Zelensky a continué à demander plus d'armes lui dit pour capable sécuriser victoire que déjà remporté sous territoire Rusla n'a pas suivi pour vous. Et puis, qu'on y a nous parlé dans l'actualité, qu'on, actualité électorale là, ici, aux États-Unis. Côté que débat entre vice-président, ou bien candidat pour vice-président, programmé pour 1er octobre. Mais il y a l'autre date qui est programmée tout pour candidat à la présidence en parlant de démocrate Kamala Harris et républicain Donald Trump. Valérie Ocelui, depuis New York. Gouverneur état Minnesota Tim Walz ensemble avec sénateur état Ohio JD Vance d'accord pour troquer connu dans un débat face à face dans date 1er octobre prochain. Débat ça après la première rencontre entre deux candidats vice-présidentiels yo pendant que dans quelques états électeurs yo a commencé voter bonheur pour élection générale yo. Hier mercredi station télévision CBS News a affiché sous page X li que yo t'ai invité JD Vance avec Tim Walz dans un débat dans ville New York et yo t'ai présenté quatre dates 17 septembre, 24 septembre, 1er octobre et 8 octobre comme option. Tim Walz t'a reposté message ça sur compte campagne ya, côté que nous kali rendez-vous pour 1er octobre JD Vance. Campagne Harris Walz là t'a suivre avec message par yo qui dit Walz pas qu'attendre pour débattre avec JD Vance. S'il paraît jou ça. Bon côté pali JD Vance affiché sous compte X li que l'accepter invitation pour débat 1er octobre là, mais il était tout profiter voyer défi by Tim Walz pour ta ka rencontrer dans date 18 septembre. Est-ce que Tim Walz et JD Vance a fait débat avant élection générale 5 novembre? C'était une question qui t'a baillé en pile suspense dans l'élection. N'a pas rappelé que quelques semaines de ça, président Joe Biden t'a quitté campagne là, et puis démocrate t'a choisi vice-président Kamala Harris à la tête ticket démocrate pour aller dans l'élection. JD Vance lui-même t'a concentré attention lui pour le capable à le débattre ensemble avec Kamala Harris avant que Joe Biden t'ait retiré col dans course là. JD Vance t'a critiqué Tim Walz sous dossier service garde national là, Melia comme retraité. Donald Trump t'a dit beaucoup de paroles que t'es voulu que JD Vance fait débat avec Tim Walz sur CBS.
et que l'été discuté sous date potentielle pour débat ça yo. Débat ça supposé fait quelques semaines après débat que tout le monde attend dans date 10 septembre là qui fait programmé entre Donald Trump et Kamala Harris sous ABC News. Fox News t'a proposé tout un débat entre Kamala Harris et Donald Trump pour dérouler dans date 4 septembre et NBC News lui-même a cherché faire un débat dans date 25 septembre. Pendant que Kamala Harris t'a participé dans un rassemblement dans l'État Michigan, il t'a dit que pas de problème et il était content de faire conversation ça pour un débat additionnel. Pour VOA Creole, depuis New York, Valerio Saint-Louis. Merci Valerio Saint-Louis. Et toujours dans l'actualité électorale, là, jodi a moun te kapabwe pour la première fois depuis président Joe Biden te décidé quitter course présidentielle là. Eh bien, jodi a l'été tous les deux. Donc, président Joe Biden avec vice-président Kamala Harris, yo te sous un podium ensemble pour yo célébrer une gros victoire que yo croit que yo remporté dans question médicaments. N'a gué pour nous retourner sous question ça. Eh bien, pendant ce temps, nous allons parler de mauvais temps passé sous Porto Rico. Marie-Louise Wall dit nous plus. Non, dernier rapport, il Centre national cyclone américain, t'es dit Ernesto, t'es à peu près sur une distance 975 km dans sud-ouest Bermude, dans océan Atlantique là, il est déplacé dans Noah à peu près 20 km à l'heure. Vent maximum, il était poté à Cli, t'es à peu près 140 km à l'heure. Ça qui fait lisser un gros cyclone catégorie 1. Cet cyclone rapporté, il était publié un avis cyclone pour Bermude. Côté, il espérait mauvais temps qu'a passé bien près vendredi soir au soir bonheur samedi matin. Prévision attend à ce que tempête la continue renforcée et puis il dit l'Itakatou n'a une gros tempête, un cyclone catégorie 3 au soir plus fort toujours le l'arrivé dans Iléa. Ernesto te poté à Cli, gros vent à la pli dans nos Caraïbes là pendant te déplacé jusqu'à hier mercredi. L'été la cause courant électrique coupé, l'été raché pied bois et puis l'été forcé l'école yo ak business yo fermé dans îles Vierges américain yo ak Porto Rico côté en pile dans business à Caizilea te sans courant électrique jusqu'à hier mercredi. Ernesto, c'est cinquième tempête qui poté non et c'est troisième cyclone pour saison cyclonique Atlantique Anissa. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre, ou toujours sauvé au Créole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien, actualité à dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Ou toujours sous VOA Créole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien, actualité politique là, parti politique fusion fait qu'on est li désengagé par rapport à l'accord 21 décembre. Et c'est le même moment ça, tout que yon leader politique plaidé en faveur publication dans le journal officiel PIA, Le Moniteur, accord 3 avril 2024 là, avant mise en place conseil électoral provisoire, Renan Toussaint. Maître Wilson Joseph, qui c'est président coalition politique pour avancement démocratie, parti émergence ak allié qui réagit par rapport à démarche mise en place conseil électoral provisoire dit pas qu'a gain bagaille comme ça tout autant conseil présidentiel transition pas publié accord 3 avril 2024 là dans les moniteurs ça relé accord politique là pour peuple haïtien bien comprendre yo pas publié dans le moniteur yo publié loi sous création CPTA, pour qui ça n'a pas publié, accord 3 avril là. Et c'est accord 3 avril là qui va premier ministre là, prérogative pour travailler sur le dossier ça. Et sans accord ça, ça veut dire, eux, ils mettent la constitution haïtienne en veuse. Si constitution en veuse, ou n'y a pas parlé de, et ça veut dire, conseil électoral. Quand on joint pouvoir pour faire conseil électoral là pendant protocole, ça veut dire accord politique à pas publié dans le moniteur. Ça fait pas publié dans le moniteur. Qui ça qui louche là-dedans, qui permet qu'il va pas publier? Ça veut dire que, je vous dis, tant que, à quoi ça va publier, si vous avez monté un conseil électoral là, nous, en de coalition, nous va pas reconnaître lui. En plus de ça, M. Wilson Joseph, quoi, conseil présidentiel transition, avec gouvernement garikonien, doit attaquer problème insécurité, pour capable rétablir la paix dans le pays d'Haïti, avant pour y parler cause électorale. En imaginez que, l'autre a dit que on montait ou nommé 9 membres conseil électoral. Côté y a passé pour y a monter ça ou l'appareil électoral là. Par exemple, Ben. Comment on va l'entrer dans le processus ça? Réponse, c'est non. Ou grand pays qui est enclavé, qui contrôlé par des gangs,
85% de pays a contrôlé par des gangs armés et des bandes armées. Je dis à là, on parle même qu'on est que qui ça qui priorité d'abord pour Premier ministre Dagoné. Est-ce que c'est monter un conseil électoral ou bien aborder problème politique là, aborder problème ça, problème sécurité là, aborder problème grand goût, ça ou les problèmes ça aborder sur territoire et puis après ça pour nous parler des élections. Pendant ce temps, autorité en place yo bay tête yo yon délai jusqu'à 31 août 2024 pour yon mettre conseil électoral provisoire en place. Wena Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Ronan Toussaint. Avant nous continuer avec l'actualité dans le pays d'Haïti, gain yon l'autre gros point, bien que c'est pas politique lié, eh ben c'est littérature, c'est en question de livre et c'est en référence tout en question la question et foire du livre. Eh ben c'est 38e édition Livre en folie. Nous gain sous place correspondant nous Yves Manuel. Yves Manuel, dis-nous non qui Jean Saé 38e édition l'a déroulé dans Caribe Convention Center. Et c'est yon seul journée lié. Et dis-nous plus non, soit ouais, soit attendez, dans le moment n'a pas là. Bonsoir à Jacqueline et Clotilde. La fête, c'est là, dans le Caribe Convention Center. Côté que gagnait vraiment une massification de monde qui sortit dans tout secteur qui vient. Parce qu'on n'est pas trop pas organisé événement depuis longtemps en raison de l'insécurité. Mon été soif ça. Donc, il a fait des passements en masse pour venir acheter ouvrage. Ils ont accompagné des familles, tout le monde, et grand monde, pardon, toute catégorie fait déplacement. Donc, le premier ministre Gaïkoni est venu, et il fait déclaration, il est étonné, ouais, le fait que tout le monde a été envie et activité, hein, et il prend engagement pour continuer le travail, la perspective pour capable de sécurité dans le pays, hein, pour permettre qu'on ait vraiment et capable de créer d'autres activités, et capable de permettre de continuer à vivre normalement. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont même satisfait de ventures, puisque mon yo a acheté en grande quantité. Donc, c'était environ 84 auteurs qui ont des signatures. Parmi eux, des ministres, des directeurs généraux, des anciens premiers ministres, à l'image de Jean-Michel Lapin et de Jean-Joseph Lebrun, qui est président pour Cassation, qui est même. En signature. Donc, j'ai l'auteur et comme écrivain qui était là. Donc, pour citer ça seulement. Donc, pour dire que c'était une véritable et ambiance carnavalesque et organisateur qui est satisfait des déroulements, activités, ça, à mesure qui fait qu'il est dans Caribe Convention Center. Merci Yves Manuel. Yves Manuel, c'est correspondant dans Port-au-Prince qui t'a banné idée de Jodia, qui c'est 38e édition Livre en folie. Il dit c'est la grande foule, tant qu'on était capable là tout. Et nous étions capables de grands noms qui étaient là, notamment Joël Loquet, Maître Lebrun qui c'est président cour de cassation, gain ancien président Prosper Avril, gain ancien premier ministre Lapin, ils tout étaient là en signature. N'a pas tourné dans l'actualité politique là, côté dossier corruption qui frappait conseil présidentiel transition, pas suspendre provoquer réaction, même membres comme éminent personnalité CARICOM réagit sous lui. Dans quatre dossiers ça, mardi 13 août passé, il y a une commission gestion installée dans tête Banque Nationale Crédit à BNC. Nous gagnons sous place, dans Port-au-Prince, Machado Velme. Gouvernement haïtien installé une nouvelle commission gestion dans tête Banque Nationale Crédit BNC. Installation sa fête 24 ans après révocation président conseil administration Raoul Pierre-Louis qui impliqué dans un dossier 100 millions goud qui opposait à trois dans membre conseil présidentiel transition. Pierre-André Agelus c'est président commission tout neuf ça qui gère pour gérer administration BNCA. Nous doit dire dans quatre dossiers ça enquêteur unité lutte contre corruption UNCC qui déjà auditionné monsieur Raoul souhaite étendre tout chauffeur conseiller président Louis Gérald Gilles Junior qui gère non licité tout dans un scandale si là d'après sa journal Gazette Haïti publié. L'autre nouvelle c'est citoyen ak citoyen qui doit fréquenter rentrer ak sorti site capital là qui continue à risquer vie sous la mer à cause route nationale numéro 2 qui fermait depuis plusieurs semaine. Presque chaque jour, yon la trié moun massé devant port terminal Abraham qui nan commune Kafou, capitaine bateau pour vaquer ak occupation yo, même si yo konnen danger qui gen nan trajet a. Même bateau, mon même comme mon gars si mon goubay manje obligé ou escrivi ou men et pas fodap. Parce que c'est vous risqué pour bateau a. Si c'est l'eau descend, ou dit bonjour merci. Parce que le bateau a comme son moye.
dois au caille et puis les mouille au caille pour y a même pas tirer même pour machine qui petit bois on va pas battre. Situation est compliquée parce que nous t'es capable faire ou des gants mais comme la gants doit pas minime pour me passer des gants. Nous passer sous bateau comme ça. Mais c'est chance nous prend toujours parce que nous pas compte si nous capable. Même pour moi-même, dans le jour qui a fini là, le peuple a commencé à prendre pour eux, à marquer avant dans toute boîte l'État. Et parce que la boîte l'État n'a pas été là, il pas été le peuple là. Si c'est une boîte l'État qui a pris un bagage sérieux, je vous dis, le peuple va prendre la main pour traverser pour aller de l'autre côté. Toute la journée, toute la nuit, on a monté le bâtiment pour traverser pour aller de l'autre côté. Il y a des gens qui sont tombés dans la mer. J'ai pile de monde qui est blessé même par rapport avec les conditions qui a pris la mer. Cependant, dans une publication police nationale a fait sous compte officiel, il fait qu'on ait 7 présumés bandits qui mourent dans boucante coup de balle avec force de l'audio dans la commune Gressier, puis précisément localité Echalotte qui est dans la direction site capitale là. Dans la commune Akaye, la police renforce tout présence li d'après un reportage audiovisuel qui est publié sur page Facebook institution. Dernière nouvelle pour finir, dans le cadre de rencontre avec délégation CARICOM, représentant accord 21 décembre, mandé émissaire CARICOM pour faciliter ancien premier ministre Ariel Henry retourner dans le pays. Ça nous apprend dans une déclaration met André Michel fait sous compte X-Li. N'a pas rappelé, Premier ministre Ariel Henry a quitté le pays à jour qui était dimanche 25 février passé pour te participer dans la 46e réunion ordinaire chef l'État et gouvernement qui dans la communauté CARICOM qui a déroulé dans le pays Guyana. Avant de traverser dans le pays Kenya, côté l'ité à l'entendre avec l'autorité pays Est-Afrique pour déploiement force multinationale. Sans li pas de connaître, si un mouvement armé t'a pas déclenché dans le pays à contre lui. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massado Vilme pour VOA Créole. Merci, Massado Vilme. Ministère Culture et Communication dans tête collée avec Roi Vodou Haïtien. Eh bien, vous menez une activité dans l'occasion 233 ans cérémonie Bois Caïman 14 d'Aoua. Reportage correspondant nous dans Cap Haïtien, Gérard Maxino. Ministère Culture et Communication dans tête collée avec Roi Vodou Haïtien. Hein? Organisé diverses activités socio-culturelles sous site Bois Caïman dans l'occasion de 233 l'année cérémonie ça mercredi 14 d'août 2024. Roi Vodou Haïtien Augustin Saint-Cloud qui était présent sous site là dans l'occasion déclaré 2024 là c'est une cérémonie fraternité vivre ensemble une cérémonie déblocage pour pays d'Haïti. 2024 moi dit toutes les membres toute société tout un grand mambo qui était capable d'accompagner nous 2024 dame dit aïbobo et moi dit tout 2024 son cérémonie fraternité vivre ensemble tête ensemble son cérémonie déblocage son cérémonie décoller Haïti une cérémonie vraiment harmonisation tout haïtien ensemble quel que soit mon côté protestant catholique témoin Jéhovah côté l'État, conseil présidentiel, primature, côté les santé, sont une cérémonie d'Acadie décoller Haïti. Parce que Haïti n'est pas capable encore d'arriver. Représentant Vodou Haïtien, continuez pour dire, tout secteur doit mettre tête ensemble pour sauver le pays d'Haïti, cap disparaître. Il lance un message by nek qui gen zami pour déposer matériel pour soulager frère Axel Nouyo cap souffrir. Et nous disons tous les messieurs qui sont dans la Rio, qui ont des matériels dans les messieurs haïtiens, nous tous ces vaudouisants, en nous essayant de faire pour nous essayer de sauver Haïti ensemble, collectivement. Et c'est pour ça que je suis dans le Bois Caïman, 11e fois dans le Bois Caïman année. Malgré les problèmes qui gagnent, les problèmes économiques, tout cas des problèmes qui gagnent, même débarquer quand même. DG ministère qui tient à communication, Gary Denis, qui était également présent sous site, expliquait Haïti by l'humanité, tout sens li à travers Bois Caïman. Selon DGA, c'est grâce à Bois Caïman, esclavage te aboli, qui fait, journée jodian, nous gagnons un pays ça qui relève Haïti, malgré toutes difficultés sociopolitiques et économiques. C'est à partir de ça qui fait que jodian, nous gagnons un pays ça que nous gagnons, malgré tout problème, malgré toute calamité que nous subis, que au fait nous subis, mais nous croyons que nous obligés puiser force pour que nous capables aller plus devant, pour que nous capables inspirer de travail, de mobilisation en sept nous
te fait pour yo dire que yo pas prêté en esclavage encore. Et c'est pas seulement nous cap dit que yon révolution pour Haïti, mais c'était une révolution pour l'humanité. 233e anniversaire cérémonie Bakayman te déroulé en ça dans présence plusieurs sociétés vodou qui te sorti dans quatre coins pays d'Haïti. Gira Maxino, Cap Haïtien pour la Voix d'Amérique. Merci Maxino, jeudi à ce jeudi, nous avons rendez-vous avec Cause et Femme, présentation et préparation Jude Deronceret. You Don't Look Haitian, c'est non yon livre plus pour ti moun que grand moun qui écrit par Velou Smith qui s'est invité nous journée jodi an à Cause et Femme. Qui laisse qui Velou Smith? Moi c'est un ingénieur, but moi mais écrit avec les livres et puis moi mais tout mon en pile, me fait livre ça. Peut-être te gagne un pile tout monde qui qu'on gagne un mec de, un mec de monde pour yo haïtien et puis me voulait yo amour avec pays yo avec parler créole avec faire you know faire un pile bon temps à apprendre by haïtien. Velou Smith né de parents haïtiens, il grandit dans sud Floride là. Li habitait dans West Palm Beach et li était très attaché à origine d'après ça dit nous. Velou Smith c'est un ingénieur de profession et pourtant li écrit un livre qui pour permettre que Timon haïtien grandit avec fierté. Qui côté l'idée a sorti pour écrire un livre pour Timon? Moi mais Timon en pile, moi mais interacting jouer avec Timon. Yeah, moi même bayo livre, moi même faire toute bagarre avec Timon. So Timon te nan ke mwen. So moi écrit livre là pour petit garçon moi hein. Lui même qui en sous livre là whatever. Et puis lui il voulait apprendre pile bagarre haïtien. So moi use livre là pour me faire ça. Et quel âge petit garçon là? Kounya li gen 18 ans. Mais combien de temps prend pour écrire livre là comme ça? 4 années. Réalisé dans la présentation que tu as faite à l'heure, ou dit qu'il y a un parent qui est dans le livre, là, on dit j'en parle de partie ça. J'ai un grand avec un grand papa haïtien. Yo fait sous maman, papa, moi. Maman, moi, me fait un pile en bel manger haïtien, li fait. Et puis tout le monde me à la caille, maman, pour manger. Et j'en sali, moutre amour de familia. Et puis papa, tout le temps, la parle, c'est de Haïti. Lui-même qui, et puis football, politics, tout bagay haïtien, c'est ça li parle son konchita avec li parle bagay de Haïti. D'après ça nous constater dans livre ça qui écrit en anglais, gen la donné information sur histoire pays d'Haïti, recette cuisine, manger haïtien, importance musique haïtienne. Velouz, ap di nou plus sous ça dans livre là. Gen une story de un petit garçon qui rive dans l'école là et puis yo après mec des peut-être les haïtiens, so gen une story pour ça. Où est ça li fait? Où est ça li fait pour faire li passer dans li pas content li t'a pas mec des li en joindre parent li pour connecter gens pour habiter avec mon yo qui a pas mec d'elle. Et puis nous gen un mot haïtien là dans li pour apprendre à au créole à part ouais moi-même moi en créole mais pas fort but montre tout mon yo qui j'en pour parler créole ça gain bagage ça yo et puis gain bagage de maman à papa moi côté yo sorti Jérémy avec Amy so gain tout bagage ça yo. Bon, réaliser son livre qui illustré avec un pile photo avec un pile, est-ce que son livre qui target Timon seulement? Non, tout le monde ka li en ça. Si vous avez un petit monde petit, vous ka regarder photo yo. Si vous voulez apprendre créole ou ka use moyo peut-être gain mon en créole et puis en anglais. Also ka apprendre des bagages de Haïti, history de Haïti. N'a signalé que Velouz a signé plusieurs livres dans soirée 20 signatures You Don't Look Haitian que il t'est réalisé dans West Palm Beach weekend qui s'est passé là. Livre là actuellement disponible dans Amazon et divers magasins locaux dans West Palm Beach. Velou Smith fait nous connaître que ça, c'est premier livre, mais c'est pas dernier. Pour Cause et Femme, sauver Wa Créole, non pas, c'est Jude Ronceret, dans West Palm Beach, État Floride. Merci, Jude. Yo titan pour me dire Jean-Marc Hervé Abella avec Marie-Luce Pierre, bonne fête. Non seulement bonne fête, pour me dire on a nos services là que nous remet yo en pile, en pile, en pile, en pile, et nous souhaiter yo tout ça qui est bon, que bon Dieu bénisse yo, et que continuez bon professionnel que vous êtes. Donc, bonne fête encore. Moi, c'est Jacques Lambézère. Merci, Hélène. Et merci, tout le monde. Merci et gentil. Et mes amis, bon gros nouvelle là, que semble pas la kamangoumé là, oui. Semble que conseiller présidentiel, non, et gouvernement koni, non, semble que yo kana gros kouri après gros réunion que délégation CARICOM yo a réalisé avec ensemble de personnalités sa yo.
l'aime dit que conseil présidentiel mettait avec gouvernement Kanan Gokouri, eh bien, semblait, mais bagala semblait capable de dégénérer et qu'il y a pile possibilité là, après discussion qu'a fait entre éminente personnalité CARICOM yo, avec gouvernement, avec et conseil yo, avec ensemble de acteurs politiques, eh bien, yo semblé là, t'as voulu regarder question conseil présidentiel transition. Et l'aime dit regarder là, t'as voulu dire, est-ce que c'est possibilité pour que yo t'a crassé conseil là? Est-ce que c'est possibilité pour que yo t'a crassé conseil là et qu'embe PM Garikoni comme premier ministre, même Jean que Ariel Henry lui-même, que c'est lui-même qui t'a mené payant sans que pas de l'autre monde qui t'a triché avec lui? Parce que après scandale corruption qui impliquait trois conseillers présidentiels ça yo, qui c'est Louis Gérald Gilles, représentant à quoi 21 décembre, Emmanuel Bertiller, représentant Petit Dessalines, et Smith Augustin, représentant Red et des compromis historiques, que monsieur Sayo, et qui impliqué dans scandale corruption, 100 millions de goudes, qui ont demandé avec ancien président conseil BNC1, monsieur Raoul Pascal Pierre-Louis, eh bien, éminente personnalité CARICOM yo, yo vraiment, mettez accent sur ça et yo même a demandé vraiment une commission indépendante qui mettait campé pour mener investigation pour connait est-ce que effectivement que trois conseillers ça ont demandé l'argent avec monsieur Raoul Pierre-Louis et si toutefois que yo t'a joint que nèg ça ont demandé l'argent avec monsieur Pierre-Louis eh bien qu'il y a 80% chance pour que conseil présidentiel là qu'elle t'a crassé et pas oublier que en pile fois qu'a levé dans société hein et qu'a demandé pour que yo capable mettre sous côté mes trois conseillers ça yo ancien sénateur Jean Hector Anacassis parlé et dit conseillant il dit clairement que trois monsieur ça yo t'a doué pas dans tête conseil là encore et qui en pile acteur dans société civile qui dit que monsieur ça pas très dans conseil là encore. Que met André Michel, qui s'est membre à quoi 21 décembre, lui mandé clairement tout pour que mette trois conseillers ça au supporté. Qu'il y ait ancien député, à retour bien-aimé, monsieur mandé tout pour mettre trois conseillers ça au supporté. Ça veut dire, mettez trois conseillers ça au supporté, mais conseil là, lui sous pour le crasser. Et qui en pile manœuvre qu'a fait là pour que c'est Edgar Leblanc fils qui kembe mais président conseil transition bagaille en pile lui là en pile manœuvre a fait la désirveness côté de partisan Edgar Leblanc fils ne doit faire de gros réunion là une façon pour capable écarter conseiller ça yo et que deux conseillers ça qui pas gain droit de vote yo madame Régine Abraham et Frinel Joseph yo mandé avec l'autre conseiller yo qui donc et quatre conseillers qui pas impliqué dans scandale corruption ça pour yo et mettez campé yon commission côté que deux membres dans conseil là qui pas gain droit de vote yo a fait partie commission ça et pour enquêter pour est-ce que effectivement que monsieur ça a demandé l'argent. Et ça fait nous dit désir après gros réunion que éminente personnalité CARICOM a fait là bien en pile possibilité pour que conseil ça crasser et jusqu'à présent on dit bagarre l'assemblée c'est Gariconi qui va gagner manette là pour les désir menace et dans cap haïtien désir journée jeudi qui c'est 15 d'août là fête Notre-Dame de l'Assomption pour catholique militant dans cap haïtien yo couri derrière Jean-Charles Moïse. Yore le chalbare de Jean-Charles Moïse. Yo di Jean-Charles Moïse son raquette. Jean-Charles Moïse son bluffé. Jean-Charles Moïse son magouillé. Parce que yo di Jean-Charles Moïse, yo pren balle dans la manifestation pour Jean-Charles Moïse. Puis yo cassé, yo pren, yo marron, yo victime ensemble de bagay. Parce que yo tap goumé avec Jean-Charles Moïse. Et choti, Jean-Charles Moïse a bien passé. Non, pourquoi ça? El vire tout, bah, militant sa yo. Et ne yore le chalbare derrière Jean-Charles Moïse, nan cap haïtien, nan occasion 15 d'août, Notre-Dame Assomption des Yvonnes. Très bien, Blaise Vitasson, dans mairie Tabac, arrêté plusieurs mounes qui impliqué dans faux documents, dans le cas d'un projet démolicaille qui était situé dans zone aéroport international Toussaint-Louverture. Et, contrefaire, et essayer donc de regarder qui ça, que moun soit représenté comme faux titre propriété à l'autre document, et ont été essayé
déranger processus de compensation pour propriétaires réels en collaboration avec un système justice avec la police, mais il a continué à faire effort pour démanteler réseau SILA qui et puis garantir une bonne distribution de compensation pour que prochaine phase de projet démolition qui a fait dans ça qui vient pour avec question caille que l'état a démoli dans entourage aéroport international tout servitu après attaque qui a été simi 29 février passé dans mouvement bandi examio t'a fait selon André Michel selon ça écrit sur compte X une délégation accord 21 décembre t'est rencontré avec la mission CARICOM journée il t'a dit qui s'est passé là elle dit que t'a profité de CARICOM pour faire tout ça et au capable pour facilité, il retourne en Haïti, ancien PM Ariel Henry, c'est et principal et ça a demandé principal demande que monsieur accord 21 décembre pour te bail monsieur dame CARICOM. Songez PM Ariel Henry fermé dehors dans mouvement politique côté nèg exam et nèg qui pratiquent dans diverses structures et organisations politiques est estimé Ariel Henry t'a mal dirigé pays a depuis là il fermé dehors et Ariel pas jamais carré retourner dans pays a et bien ti monsieur dame qui dans accord 21 décembre estimé que Ariel t'a dû retourner même ça on cap dit Paul Géo Jean-Baptiste pas merdem de tout temps apporté ça et c'est une raison et Paul Géo Jean-Baptiste t'a porté l'aller dans et conseil présidentiel transition ou bien dans gouvernement connu là elle dit personne pas en connu personne pas tout connu personne pas merde connu de pour toucher connu c'est comme si c'est lui-même qui a touché premier ministre Gary Conny avec conseil présidentiel transition refusé une invitation République Dominicaine premier ministre de facto Gary Conny avec conseil présidentiel transition te rejeté invitation République Dominicaine là pour yo tal participer dans inauguration ou bien et dans investiture qui lié avec et Luis Abinadel qui a fait 16 d'août demain l'invitation décision ça vini à cause yo te fermé espace aérien entre deux pays yo et pour presque yon moitié yon année pour presque 6 mois vraiment ça a pensé donc regarder conseil présidentiel transition et conseil aviation civile République Dominicaine te publié et m'a dit qui se passe là ou bien en mars 2024 résolution numéro et 46/2024 côté au suspend opération avion passager pour aller à sorti en République Dominicaine et à café et immédiat pour arriver en Haïti. OK, malgré